Bonjour, bonjour tout le monde, ou devrais-je dire bonsoir tout le monde. Bonsoir Daphné. Bonsoir Marlex. Et bonsoir Elisa. Hello. Elisa qui est notre chère invitée, je vais vous la présenter dans quelques minutes. Mais avant de commencer, eh ben on va faire comme à l'accoutumée, on va honorer les personnes qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Alors comme vous l'avez constaté, ce n'est pas Pasteur Grâce, elle m'a encore prêté son fauteuil. Donc Pasteur Grâce, merci beaucoup pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir me tenir ici et de présenter cette belle émission en vue d'édifier les femmes et les hommes aussi qui nous regardent. Donc merci beaucoup pour le privilège et pour l'honneur, parce que c'est un honneur pour moi d'être à sa place. Absolument. Parce que Pasteur Grâce est la CEO des Boss Ladies, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est aussi ma mère spirituelle. Voilà. Et pour l'occasion, on va remercier également l'apôtre. L'apôtre qui est le président de la chaîne Évangile TV. Vraiment bravo pour ce projet. Bravo, merci apôtre pour la vision. Merci apôtre. Voilà, que tu nous donnes en fait finalement, que le Seigneur te donne, pardon, et que finalement tu nous permets d'être des acteurs en fait tout simplement. Donc merci pour la chaîne Évangile TV. Merci également à Pasteur Paulette qui est la femme de l'apôtre et qui est également notre pasteur principal. Et à Sabrina qui est la directrice d'Évangile TV. Merci de nous permettre d'être là ce soir et de pouvoir présenter cette émission. Voilà, et je vous souhaite la bienvenue les filles. Merci beaucoup. Alors, il y a Daphné qui est chroniqueuse chez les Boss Ladies qu'on ne présente plus. Mais si, présente. On te présente non, encore. Je blague, Daphné, je notre intello. Daphné avec son meilleur français. Non, ce soir encore, je sais qu'elle a des pépites à nous donner, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, il y en a plein en stock, vous inquiétez pas. Et là, nous avons Elisa, yes, qui est notre chère invitée. C'est une grâce. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment trop contente d'être avec vous, les filles, aujourd'hui. Ah, l'honneur est partagé. C'est partagé. Vraiment, c'est partagé. Alors, Elisa, qui a écrit un livre qui s'appelle « En un battement ». Yes. Et nous allons parler de ce livre ce soir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton livre? De quoi est-ce qu'il parle exactement? Alors, mon livre, il parle tout simplement de mon témoignage personnel, de ma rencontre avec le Seigneur. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que finalement cette jeune femme qui vivait sa petite vie tranquillou et qui pensait vivre sa best life a finalement fini par vivre des épreuves immenses dans sa vie et qui finalement décide de donner sa vie à Jésus et de le servir, quoi. D'accord. Donc c'est au travers de tes épreuves, d'accord, comme il est dit dans le livre, que tu rencontres le Seigneur, c'est ça ? Alors, si tu veux, le Seigneur s'était déjà révélé à moi par songe quelques années auparavant. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était la période où j'étais enceinte de ma petite fille. En fait, j'étais enceinte. Le Seigneur me fait... Parce que j'ai grandi dans une famille catholique. D'accord. Et si tu veux, je fais ce songe où je me vois dans une église et je vois que c'est pas une église habituelle. Je vois que c'est pas là où j'ai l'habitude d'aller, tu vois. Et j'avais une amie dans mon entourage qui était qui est toujours d'ailleurs évangélique. Et là, je l'appelle, je lui dis, écoute, je crois que je dois venir. J'ai cette certitude parce que là, dans ce songe-là, je me vois, le lieu est blanc, il y a très lumineux et je me vois pleurer de joie parce que je donne ma vie au Seigneur. Donc je me dis, il faut que j'y aille. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a amenée dans son assemblée. Effectivement, ce jour-là, j'ai fait ma prière du salut, etc. Sauf qu'en fait, j'étais enceinte et en fait, ça, c'est pas toujours bien vu et les frères et sœurs ne sont pas toujours très bienveillant. Donc, ce qui fait que, à l'époque, on m'expliquait un petit peu que ma situation n'était pas trop normale, qu'il fallait pas que je vive en concubinage, etc.
pas faux dans le fond, mais du coup moi je suis dans cette situation présentement et je suis toute nouvelle dans la foi, donc c'était un peu c'était choquant pour moi parce que moi je vivais juste ma grossesse, effectivement je vivais à l'époque en concubinage etc, mais en fait c'est pas aussi simple que ça quand t'es dans le cas de figure et que tu viens de rencontrer le Seigneur. Tu peux pas juste dire ah bah ok, bah je pars et je laisse tout ce que j'ai comme ça et tout. C'était pas aussi facile que ça, tu vois. Et donc c'est vrai que ça m'a un petit peu du coup renfermée sur moi-même parce que je me sentais pas légitime finalement à venir au pied du Père finalement, tu vois. Je me sentais pas légitime. Et c'est finalement, comme tu dis, les épreuves qui me sont arrivées après ça, qui m'ont vraiment fait faire cette alliance-là, vraiment, où je me suis dit, là, je te lâche plus, parce que ce que tu fais pour moi, là, je serai jamais assez redevable de ce que tu fais dans ma vie. Donc, je te sers aujourd'hui et pour toujours, quoi. Amen. Super. Mais c'est fou quand même, parce que parfois, le Seigneur se révèle à nous d'une façon très simple. Mais la manière dont on va le rejoindre, c'est souvent dans les complications, quoi. Parce que tu aurais tout simplement pu rejoindre ton assemblée, même étant enceinte. Mais c'est vrai que du coup, tu as eu, si je puis dire, des barrières qui ont fait que finalement, bah, tu n'y ailles pas. Yes. Et il a fallu que tu sois énormément éprouvée. Alors, j'insiste sur le énormément. Énormément. Vous allez découvrir pourquoi. Ah oui, ça, c'est une histoire digne d'un film de Spielberg. Hein. Spielberg, mais petit même à côté. Ah, attention. Là, c'est le Spielberg des Spielberg. C'est ça. Quand Jésus est à la tête de choses, mais non, il a permis certaines situations compliquées, c'est vrai. Mais comme je disais tout à l'heure à Daphné, je disais, tu sais, c'est étrange, mais en fait, très souvent, c'est quand on n'a plus du tout le choix. Quand on se retrouve dans une situation où, comme tu dis, nous, on aime les choses compliquées, on dirait. C'est quand vraiment tu te retrouves dans une situation où tu es au pied du mur, où tu n'as plus le choix et où vraiment... J'aime ce Dieu-là, en fait, qui te montre à ce moment-là que même si là, tu vois, tu arrives au pied du mur qui n'a plus rien, mais moi, je suis là et je te tends la main. Et en fait, je te prends de là où tu es, aussi bas que tu puisses être, et je te requalifie et je mets la couronne sur ta tête et je t'honore en fait. Et c'est et ça c'est incroyable. Moi c'est ce qui m'a fait me dire en fait aujourd'hui, Seigneur, ce que tu fais pour moi, ce que là dans la situation où je suis, je ne pourrai plus jamais en fait t'abandonner parce que c'est trop ce que tu fais pour moi en fait. Et même si en fait j'essayais d'être redevable de quelque chose, je pourrais jamais en fait donner autant que ce que tu me donnes. Et c'est ça en fait qui fait la différence. Brille, c'est trop mignon. Ah non, mais vraiment. C'est ça. Parce que qui est empreint d'émotion en fait. Ça vient du cœur. Et c'est très bien ce que tu dis parce que pour moi ça illustre le fait que les conversions ou les réconciliations entre Dieu et ses enfants, effectivement, elles ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. Exact. Mais il faut aussi parfois accepter le fait que pour certaines personnes, il y a une différence entre la rencontre et l'alliance. Exact. C'est pas au moment forcément où l'on rencontre le Seigneur qu'on comprend qu'il y a une alliance qui est contractée avec lui pour notre salut, pour notre vie et tout, parce que tu as fait ce premier rêve dans lequel tu as compris que le Seigneur t'appelait. Yes. Et puis tu as eu ton premier contact avec une assemblée. On t'a expliqué certaines choses qui malheureusement peut-être étaient dites sous forme de raccourcis pour toi. Oui, ouais. Mais ça n'a pas été tout de suite le moment où tu étais consciente de l'alliance qu'il y avait entre toi et Dieu. Et c'est après justement les circonstances que tu as vécues que tu as compris que mais, exactement. En fait, c'est plus qu'un lien d'amour, c'est au niveau de l'alliance. C'est et on en parlera certainement plus tard du mariage et tout par rapport au contenu de ton livre. Mais finalement, je trouve que c'est... Ce que tu as vécu, c'est quelque chose de très prophétique par rapport même au sujet du mariage. Yes. Parce que tu as eu des épreuves et tu as compris que Dieu serait toujours là, yes. Qu'il y a un mur, mais il serait toujours là. Et c'est ça l'alliance. Exactement. Et c'est ce qu'il veut que nous comprenions pour pouvoir entrer dans le mariage. Mais avant de redonner la parole à la présentatrice hors pair qu'on a, je voudrais juste te poser une question. Finalement, pourquoi un livre ? Pourquoi tu as décidé de mettre sur papier ton témoignage ? Pourquoi ce serait pas éventuellement après c'est peut-être voilà en cours mais une formation
ou autre. Pourquoi est-ce que c'est sur papier? Voilà, et pas, pourquoi pas une chanson, par voilà. exemple. Parce qu'elle chante, Elisa, attention. Alors, tu sais, très rapidement, lorsque j'ai vécu mes épreuves, le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, de... Et c'est pour ça que, pour les personnes qui liront, verront que les périodes sont très précises. Mais parce qu'en fait, lorsque j'ai vécu toutes ces choses-là, le Seigneur m'a fait tenir en fait un cahier de bord, en fait. Le Seigneur m'a fait vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Note ce qui se passe, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, je sais précisément quand telle chose s'est passée, parce que, en fait, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur dès le départ. Et moi, je ne savais pas encore que c'était pour ça. Je ne savais pas du tout que le Seigneur allait m'amener à écrire un livre. Mais au début, moi, je pensais que c'était juste pour... Lorsqu'il sera réveillé, comme ça, tu pourras lui raconter ce qui s'est passé. Tu vois? Tu pourras raconter, en fait, tu pourras lui dire, eh ben, tu vois, à telle date, il s'est passé ça. Telle date, il s'est passé ça. C'est juste après que j'ai compris, en fait, la dimension et que je me suis dit, en fait, c'était pour ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça n'a été que l'obéissance. Le Seigneur m'a mis fortement à cœur de tout noter. Je l'ai fait. En pensant que... Donc, j'avais tout mis dans un petit cahier de notes et tout. Et je me suis dit, ce cahier de notes, comme ça, je pourrais le donner au père de ma fille. Et comme ça, il pourra savoir, en fait, ce qui s'est passé. Sauf que, en fait, ce n'était pas du tout pour ça. Du tout. Du tout, du tout. Le Seigneur voulait que tu impactes beaucoup plus de personnes. Exactement. Que juste le père de ton enfant. C'est ça. Et donc, j'ai tenu, en fait, ce cahier de bord où je mettais les dates, etc. Et ce n'est que plus tard, ce n'est que vraiment plus tard que le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, d'écrire un livre. Parce que, donc, même quand le père de ma fille s'est réveillé, etc., tout ça, je continuais, en fait, de garder quand même mon petit cahier de bord. Bon, bah là, il est en rééducation, bon, là, il fait ça. Et j'ai continué à faire ça. Et c'est vraiment lorsqu'on s'est séparés que le Seigneur m'a mis à cœur. Tu vois, en fait, ce cahier de bord-là que je te donnais, c'était pour ça. Et lorsqu'il m'a dit que c'était pour ça, je me suis dit, non, franchement, Seigneur, non. Non, Dieu est marrant. Non, vraiment. J'ai dit, franchement, papa, non. Franchement, non, en fait, non. J'ai dit déjà, en plus, et à ce moment-là, j'avais même pas encore perdu mon père. Donc, je me suis dit, non, franchement, Seigneur, flemme un peu de raconter sa vie comme ça, dans un livre et tout. Ça veut dire que je dois être vulnérable aux yeux de tout le monde. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment là que tu vois la dimension où on te dit, il faut être obéissant. C'est réel. Et donc, juste après ça, donc, on s'est séparés avec le père de ma fille. Et 2 mois après, bah, j'ai perdu mon papa. Et c'est vraiment là que le Seigneur a dit, bon, bah, écoute... Là, en fait, tu vois tout ce que tu viens de vivre, voilà. Maintenant, sache que tu vas écrire un livre. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il m'a dit « écris le livre ». Il m'a juste dit « sache que tout ce que tu viens de vivre, ça devra faire, ça devra être dans un témoignage écrit ». Ensuite, après, pendant longtemps, j'avais ça à cœur, mais je ne savais pas comment commencer, je ne savais pas... En fait, je me disais « mais... Tu me demandes de faire un truc où, en fait, j'ai jamais fait de ma vie. Moi, je suis pas. Je me disais, mais je suis pas écrivaine, moi. Je suis pas écrivaine, j'ai pas fait des études littéraires, c'est pas mon boulot. Enfin, voilà. Et vraiment, c'est. Comme tu dis, c'est fou comment le Seigneur, des fois, il est drôle parce que vraiment, il te demande, il te dit, mais toi, mais vraiment, à un moment donné, c'est comme s'il t'attrape par le col et il te dit, mais tu vois pas que c'est moi qui t'équipe, là? Tu vois pas ou quoi? Enfin, vraiment. Il m'a vraiment attrapé en mode, mais vraiment, mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis tous ces derniers mois, je t'ai laissé raconter tout ton truc. C'est comme si je t'ai laissé faire ta petite crise d'ado, là. Mais là, maintenant, là, faut y aller, quoi. Et finalement, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, en 2022. Donc, avec là, un peu plus de recul, parce que j'avais aussi besoin... En fait, j'étais encore dans mon processus de restauration et je pouvais pas écrire dans ces conditions-là. J'avais vraiment besoin de prendre du recul vis-à-vis de ma séparation, de l'annulation de mon mariage, de la perte de mon papa. J'avais besoin aussi de guérir de certaines choses et pour pas écrire dans l'amertume, pour pas écrire dans l'émotion, en fait. Il fallait que j'ai assez de recul sur toutes ces situations pour finalement pouvoir écrire comme Dieu voulait que j'écrive. Et donc, comme je te dis, c'est vraiment un an après, vraiment un an après que le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et à partir du moment où j'ai écrit, ce n'était même plus moi qui écrivais parce que j'écrivais... à partir du moment où j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter, en fait. Je n'ai plus pu m'arrêter et je l'ai écrit en 2 semaines. Wow. Tu étais vraiment conduite, hein? C'était conduit. Vraiment, je te dis, c'est... même moi, des fois, quand j'ai dû faire les relectures, j'ai dit, mais il y a même des moments où je me disais, mais j'ai écrit ça. Vraiment, la sensation de...
à quel moment j'ai écrit ça, en fait ? À quel moment j'ai écrit ça ? Et c'est là que tu vois que c'est conduit, c'est la main de Dieu, parce que hormis ça, bah c'est comme j'ai dit, j'ai pas fait d'études littéraires, c'était pas mon domaine. J'ai jamais été quelqu'un. J'aime bien lire quand je vais en vacances au bord de la plage ou quoi que ce soit, mais dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui lit énormément. Malgré le fait que je sois prof, mais ça c'est le comble quand même. Ah ben ça. Et c'est marrant. C'est surtout s'il y a un élève qui tombe devant la vidéo. Je te jure. Mais c'est vrai que en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était Dieu qui m'avait équipée et qui m'avait dit voilà ma fille. Et c'est formidable. Mais d'ailleurs quand on lit le livre, on sent que c'est toi qui parles. C'est-à-dire en fait c'est au-delà de des études que tu aurais pu faire éventuellement en littéraire, même le langage en fait, on a vraiment c'est la sensation de proximité, d'être exactement, voilà. En face d'elle en fait. Exactement, mm-hmm. Tu vois, il y a pas de, c'est pas surjoué, c'est pas voilà. C'est pas romancé non plus. Non, pas du tout. Vraiment le cœur, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Le Seigneur voulait pas que je décrive. En tout cas, c'était pas ce qui était sur mon cœur. C'était pas. Pour moi, ce n'était pas un roman. Pour moi, c'est vraiment un témoignage. Et en fait, je voulais qu'on puisse ressentir une proximité comme si tu as une copine qui est là et qui te raconte son témoignage. Ben, en c'est fait. Réussi. C'est ça, c'était merci. C'était vraiment cette sensation-là de se dire il faut que les personnes, lorsqu'elles le lisent, elles se disent limite, elles sont à la limite d'entendre ma voix, en fait. Elles sont à la limite d'entendre ma voix. Et je voulais que ce soit simple à lire, parce que moi, je sais combien des fois ça peut être chiant, rébarbatif, enfin, c'est vraiment de lire un livre et qui est super compliqué et où tu es obligé de revenir 5 fois sur la phrase parce que tu n'as pas compris, etc. Et je voulais vraiment que ce soit accessible à tous parce que aujourd'hui, le Seigneur touche de plus en plus jeunes aussi les âmes qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne, parce qu'on a la chance maintenant d'avoir voilà, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et je voulais que ce livre, en tout cas, même s'il tombe dans la main d'une adolescente, eh ben qu'elle puisse être dans la capacité de lire ce livre et de le comprendre. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ta bienveillance. Parce que même quand on lit le livre, on sent vraiment, on ressent plutôt la bienveillance aussi qu'il y a derrière. Ah, Dieu. Parce que ton histoire, elle est, je vais pas dire particulière, mais il y a des personnes qui sont impliquées dedans. Et en fait, on ne voit même pas que tu les incrimines. Au contraire. Donc, le titre de l'émission aujourd'hui, c'est « Résilience quand Dieu se révèle ». Non, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Il ne dort jamais. Donc, c'est « Résilience quand Dieu se révèle ». Et vraiment, la résilience, c'est vraiment ce... En tout cas, ce que personnellement, enfin avec Daphné, quand on regardait le livre, on ressentait vraiment que tu as fait toutes ces choses-là avec résilience, c'est-à-dire avec force, avec endurance, mais surtout que Dieu était la source de cette résilience. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, peut-être même sans trop en dire, c'est toi qui nous diras. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation qui a nécessité justement que tu fasses preuve de résilience ? Comme je te disais tout à l'heure, tu sais, c'est très souvent lorsque tu te retrouves vraiment au pied du mur et où tu n'as plus aucune possibilité que vraiment là, Dieu s'avère être ton seul et unique choix en fait. Et moi, ça a été ça, c'est-à-dire que vraiment... Le livre se passe en temps de pandémie, donc voilà, l'histoire se passe en temps de pandémie, premier confinement, tout premier, donc on sait comment on l'a tous vécu ici, c'était, voilà, tout le monde était très apeuré, etc. Et donc, le père de ma fille se trouve à être hospitalisé, placé dans le coma, et donc moi, je me retrouve à la maison, seule, avec notre petite fille qui a 9 mois à l'époque, et effectivement à ce moment-là on m'explique que surtout qu'à cette époque on savait pas trop comment le Covid ça se passait, etc. Donc on m'avait dit au minimum ce serait 21 jours d'isolement, donc je devais me retrouver 21 jours chez moi isolée. Et donc je me suis dit mais en fait je vais voir personne, même s'il y a le téléphone, même s'il y a truc, enfin c'est quand même dur de rester isolée chez soi. Exactement. 21 jours tu peux pas sortir. Et c'est vraiment là, ce qui s'est passé, c'est que ma grande sœur a une meilleure amie qui est en Christ. Et lorsqu'elle a appris cette chose-là, sa meilleure amie m'a appelée. Donc c'est comme une grande sœur pour moi également. Et elle m'a dit, mais tu sais que là, ce qui se passe, c'est spirituel. Et vraiment, en fait, tu as ta part à jouer. Tu as ta part à jouer. Et ça va se faire main dans la main avec Jésus-Christ, en fait.
Et c'est vraiment, Dieu l'a vraiment utilisé comme un outil, parce que lorsque vraiment on a raccroché au téléphone, j'ai dit, écoute, si tu es ce Dieu-là, ça a été carrément limite une mise au défi, quoi. Ça a été vraiment, si tu es ce Dieu-là dont je viens d'entendre parler, qui fait des miracles, qui ressuscite les gens, si tu es ce Dieu-là, je te mets au défi. Et aujourd'hui, je vais décider de te suivre totalement. Je me donne totalement à toi, je m'abandonne à toi. Mais montre-moi par quelque chose de palpable. J'ai besoin de voir, j'ai besoin que tu me montres que véritablement tu es ce Dieu qui fait, en fait. Donc montre-moi des choses où je puisse même pas ouvrir ma bouche, en fait. Je me suis dit vraiment, il faut que j'aie des preuves. Voilà, j'ai mis Dieu au défi comme ça, en fait. C'est comme ça que je l'ai mis au défi. Et ça a été preuve après preuve. Il n'avait pas mon temps, Dieu. Il n'avait pas son temps. Il n'avait pas mon temps. Il s'est dit, OK, bah, tu veux que je te montre, je vais te montrer. Mais en fait, il y a des fois, c'est ce que j'explique aux gens, surtout les gens qui ont du mal. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, je crois, la semaine dernière sur mon Instagram, en me demandant, voilà, comment faire. Je ne sais pas trop si je dois croire en Dieu. J'ai dit, mets-le au défi. Et en fait, il y a des fois, je vous jure, il faut faire des prières audacieuses. Il faut mettre Dieu au défi, parce qu'en fait, il n'y a rien qui soit impossible pour lui. Et en fait, il y a certaines personnes qui peuvent être révélées de manière très douce, très machin. Mais il y a d'autres personnes, en fait, elles ont besoin de voir par A plus B, parce que tant qu'elles vont pas voir par A plus B, elles vont pas y croire. Et moi, à ce moment-là, en fait, c'est vrai que j'étais dans ce cas de figure où j'ai pas grandi forcément dans une famille où, en tout cas, où j'ai pas expérimenté cette dimension de Dieu, en fait. J'avais pas expérimenté cette dimension qu'on me parlait. Donc, j'ai dit à Dieu, si tu es ce Dieu-là, montre-moi, et je te jure que je te servirai, en fait. Et c'est ce qui a été. À celles qui nous écoutent, mettez Dieu au défi. Si vous n'y croyez pas, vous allez voir. Il va se révéler. C'est ce que tu dis. C'est vrai que parfois, on n'ose pas. Mais c'est pourtant, ça, on n'ose pas. Dieu n'a jamais menti sur ce qu'il était. Non. Il n'a jamais cherché à se minimiser que ce soit. Il se démontre tel qu'il est dans sa gloire. Eh ben, prenons-le à hauteur de ce qu'il est et osons lui demander des choses audacieuses, vu que lui-même, je suis désolée, il est audacieux. Il a envoyé son propre fils. Son propre voilà, fils. Voilà, bon, tu vas y aller, unique. Tu vas leur dire que c'est moi, le Dieu, qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir à moi, c'est toi. Exactement. Je trouve ça quand même, je trouve que c'est un plan très audacieux. Et même notre vie chrétienne, la manière dont on l'amène, les actions qu'il nous demande de poser, mais il faut être. Alors, la foi et l'audace, en fait, tu vois. Enfin, même ne serait-ce qu'évangéliser, enfin, tu vois, des fois on se dit, mais j'y arriverai pas, c'est compliqué, etc. Enfin, ça nous demande quand même, voilà, ça nécessite qu'on pose des actions, mais il faut cette foi, il faut de l'audace, en fait. Et vraiment, c'est à l'image de notre Dieu. Mettez Dieu au défi, vous allez voir. C'est ça, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est mets-le au défi, tu vas voir. Mais après, il faut aussi accepter de voir. Il ne faut pas se faire. En fait, il faut vraiment être disposé. C'est aussi une question de disposition de cœur, je pense. Parce que lorsqu'on ne veut pas voir, on ne verra pas. C'est vrai. Exact. Lorsque tu veux pas voir, tu vas pas voir. Moi, j'étais vraiment dans cette démarche où, Seigneur, OK, je te fais confiance. Je te fais confiance, montre-moi. Ah oui, et puis d'ailleurs, parce qu'on dit aux gens de le mettre au défi, mais une fois que vous le mettez au défi, il faut être prêt. Il faut être prêt, hein. En réalité, il faut être prêt à... C'est-à-dire, voilà, vous le mettez au défi parce que vous voulez vraiment le voir et marcher avec lui. Par contre, c'est pas... C'est pas je vois et puis je retourne à ma vie. Hein. Juste histoire de... Exactement. Et oui, parce que c'est ça, en fait... Après avoir fait cette prière, t'as quand même constaté que les choses allaient de mal en pis. C'est donc mal en pis. Mais est-ce que la prière, bon. En fait, ça a été de mal en pire, mais tout en même temps, je sais pas si c'est de mal en pire. Ça a été de mal en pire de façon, si je devais m'appuyer que sur ma vie d'avant finalement. Mais spirituellement, ça allait pas de mal en pire. C'est ça en fait qui est incroyable. C'est-à-dire que effectivement, il m'est arrivé des choses qui se sont succédées. Donc, il était dans le coma. J'ai fait cette alliance avec Dieu vraiment au moment où il est dans le coma, comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai commencé à le mettre au défi. Donc, j'ai vu des guéris. Il m'a équipé afin que je puisse aller imposer les mains sur le père de ma fille, alors que à cette époque-là, on ne laissait pas rentrer les gens dans les hôpitaux. Exact. On ne laissait pas les gens rentrer dans les hôpitaux. Et Dieu a permis, Dieu a créé une situation pour que je puisse y aller. Dieu a créé cette chose-là. Et lorsque j'y suis allée, même pas...
les heures qu'on suivit, vraiment les jours, c'était le lendemain ou le surlendemain, on m'appelait déjà pour me dire « Ah, les poumons ont repris, on ne sait pas comment, on ne peut pas l'expliquer. » Et après, finalement, il se réveille le week-end de Pâques. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai dit aux gens... La résurrection. Moi, je dis aux gens, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. C'est tout. Amen. Il n'y a pas de hasard. C'est beau, ça. C'est Dieu qui passe incognito. Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Donc, ça a été ça. Donc, il s'est réveillé week-end de Pâques. Après, voilà. Alors qu'on le donnait pour mort, on m'avait fait venir, en fait, parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus d'options. Donc, en fait, voilà. Et ça a été ça. Après, effectivement, on s'est séparés. J'ai perdu. Mais pendant qu'il est en rééducation et tout, le Seigneur me révèle... mon cœur, donc, pour testimony. Donc, testimony, c'est un peu mon ministère. C'est mon ministère pour les femmes, etc. Il me révèle ça. Il me dit, mais tu attends, c'est pas tout de suite. Donc, je te le mets à cœur. Il m'a donné le nom, tout. Il m'a tout révélé. Moi, par son, le Seigneur, il me trouve par les par là. Et donc, après, finalement, donc, effectivement, je ne me marie pas, on se sépare. On pourrait se dire à ce moment-là, oh non, c'est un truc de fou, la pauvre et tout, nanana, alors que. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, mais Seigneur, tu veux quoi? Enfin, je sais. Donc, moi, je te suis, c'est pas ça et tout. Donc, j'étais, voilà. Et quelques temps après, j'ai perdu mon papa aussi, donc ça a été très compliqué. Et le Seigneur, à ce moment-là, quand j'enterre mon papa, une semaine après, il me dit, c'est maintenant testimony. J'ai dit non, là, j'ai dit toi c'est ça Seigneur, ça c'est toi, c'est ça ton problème. Je sur le coup je me suis dit toi t'abuses. Et en fait il m'a révélé, voilà, il m'a vraiment montré, il m'a dit, j'ai dit mais Seigneur tu vois que là où je suis pas restaurée, je suis pas équipée, qu'est-ce que je vais aller aider d'autres femmes, moi-même je vais pas bien. Il m'a dit mais justement c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses parce que t'as pas, j'avais à t'édifier toi-même. Tu vois, elle va te restaurer toi-même. Ça va être un outil pour toi-même. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, oui, physiquement, on peut se dire, humainement parlant, on peut se dire, oh, elle a allé de mal en pire. Oui, parce qu'effectivement, elle s'est séparée du père de sa fille, elle s'est pas mariée, elle a perdu son père, etc. Ouais, mais derrière ça, quand je regarde aujourd'hui à ma vie, je me dis, mais regarde là où Dieu m'a sorti. J'étais quelqu'un de tellement caractériel. J'étais quelqu'un qui se disait qu'elle était déjà arrivée là où elle devait être arrivée. Aujourd'hui, j'écris. Aujourd'hui, j'interviens en conférence. Aujourd'hui, j'aide des femmes. Je me dis, et c'est ça ce Dieu-là. Tu vois, ce Dieu qui m'a fait passer par ces épreuves-là, mais qui a à côté de ça, regarde, aujourd'hui, je suis chez les Boss Ladies, les gars. Mais quel honneur. Donc c'est pour vous dire, en fait, c'est que il y a des fois quand on vous dit vraiment il ne faut jamais blâmer une contrariété, mais c'est vrai parce que ce que vous ne pouvez pas voir, le Seigneur le voit. Amen. Il a déjà anticipé, il a déjà même, j'aime à dire qu'il a déjà même anticipé même nos sorties de route, c'est-à-dire que même quand on pense que voilà, t'as pas fait sa volonté, effectivement, même ça il avait déjà anticipé, il te repositionne et franchement, il te montre que, bon, ok, ma fille, là, t'as pas fait les choses comme il fallait ou quoi que ce soit, mais encore une fois, je t'aime, encore une fois, je te pardonne, encore une fois, je te qualifie. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu, parce que quand t'expérimentes cette dimension d'amour-là, tu te dis, mais hey, il peut m'arriver même n'importe quoi dehors, hein, mais tant que je suis en accord avec la volonté de mon Dieu... Alléluia. C'est bon, amen, tu vois. Amen. C'est ça le principal. Waouh, j'aime beaucoup comment le Seigneur t'utilise en tout cas. Amen. Donc, elle n'a pas tout raconté. pas tout raconté pour que vous alliez l'acheter. Ah, c'est ça. Voilà, vous allez savoir qui s'est réveillé du coma, qui était dans le coma, qui c'est a fait ça. Quoi. Et qui a fait en sorte qu'elle soit aussi résiliente. Amen. Voilà. Bah, c'est super. Merci beaucoup déjà pour le témoignage, du coup, pour ton livre, pour ce que tu viens de nous édifier aussi. Et je crois vraiment que ça impacte des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, des personnes qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur aujourd'hui. Vous avez la preuve vivante que le Seigneur peut prendre quelqu'un de là où il était pour en faire quelqu'un de meilleur. Mais vraiment, aujourd'hui, enfin, parce qu'on pense que ça y est, on est arrivé. On pense qu'on ne peut pas avoir mieux. On pense souvent qu'on ne mérite pas mieux. Oui. Mais finalement, quand on voit ce que le Seigneur fait dans nos vies, après tout ça, on se dit, mais c'était des cacahuètes que je vivais avant. Mais vraiment, c'est réel. C'est des cacahuètes qui viennent dans ma vie. En tout cas, c'était des broutilles, quoi, finalement. C'est comme tu dis, je pense que...
tu vois, c'est Dieu et c'est vraiment l'orfèvre, quoi. Tu vois, t'as ce diamant brut et il est là, il te façonne année après année, épreuve après épreuve. Et je pense qu'on a tellement d'épreuves aussi dans la Bible qui nous montrent justement cette résilience. Tu vois, quand tu lis l'histoire, quand tu lis le livre de Job, tu vois à quel point il a été éprouvé. Et c'est pas toujours facile. C'est comme aussi Joseph, quand tu regardes à son histoire. Waouh, tu vois. Et on a tellement d'exemples, je pense, de glow-up comme ça dans la Bible. C'est pour ça que j'aime à dire que quand les gens pensent que la Bible, oui, elle a été écrite il y a longtemps, mais tout est encore actuel, en fait. Exactement. C'est actuel et tu as vraiment toutes tes réponses là-dedans. Et des faits qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, comme on dit, le glow-up, ce truc où, ah ouais, tu étais là et aujourd'hui, Dieu t'élève à cette position. C'est des choses qu'il a déjà faites et c'est des choses qu'il continuera de faire. C'est le livre le plus ancien qui est encore d'actualité. En c'est vrai. Ça. C'est le livre le plus lu au monde. Hein, le premier best-seller, ouais. C'est ça, c'est la Bible. Alors moi, j'aimerais te poser une question. On prononce ce mot depuis le début de l'émission, résilience. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la résilience ? Alors ma définition de la résilience, je dirais, c'est cette capacité en fait à endosser des épreuves qui sont quand même très très difficiles, de grosses épreuves, et malgré ça en fait te régénérer, revenir à ton état initial en fait, pouvoir sortir de ça pour voilà, faut être résilient, c'est-à-dire que tu passes à travers ces épreuves là mais tu passes pour revenir finalement à cette matière première que tu étais et voilà, c'est vraiment c'est un processus de restauration, je dirais. C'est ça. J'aime beaucoup parce que moi, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait résilience était un mot, en tout cas pour ma part, qui résonnait encore plus fort que le mot de restauration. Alors effectivement, la restauration fait partie de la résilience parce que c'est le retour à l'état initial après un choc, comme tu l'as expliqué. La restauration, on va beaucoup mettre ça sur le plan émotionnel. Exactement. En général, hein, quand on va parler de restauration, oui. C'est une âme qui est consolée, une âme qui est reconstruite, une âme qui est renforcée. C'est très bien. Mais finalement, dans cette histoire de résilience, il y a et l'aspect émotionnel, mais il y a aussi l'aspect intellectuel et l'aspect aussi physique. Parce que la résilience, on va parler en général de ça pour un objet qui a la capacité de retrouver son ergonomie de base. Donc, on parle de l'âme, on parle de l'esprit, mais on parle aussi du corps. Parce que je pense que ce que tu as vécu, ça t'a aussi fatigué physiquement. Tu as endossé tellement de responsabilités, t'as eu à porter plusieurs casquettes, et même au niveau du corps, en fait, on est fatigué. Et je rends gloire à Dieu, parce que c'est celui aussi qui donne de nouvelles forces lorsqu'on en est fatigué. Il le dit dans sa parole, hein, que ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Et t'as eu la force pour écrire un livre, t'as eu la force pour ton ministère, hein, Testimony, qui certainement est une plateforme bénissante, déjà à commencer pour toi, comme tu l'as dit, mais pour plusieurs, en fait. Donc, c'est vrai que cet aspect de résilience, faut pas du tout la négliger. Et tout le monde en a besoin, en fait. Et je pense que, comme tu dis, tu vois, c'est quelque chose à ne pas négliger, mais c'est aussi, je pense qu'il va... Pour être vraiment dans cette résilience, atteindre cette résilience, il faut aussi avoir l'humilité de se... En fait, la résilience ne se fait pas sans Dieu. Il faut avoir l'humilité. Voilà cette partie. Voilà, il faut vraiment avoir l'humilité de dire, Seigneur, là, je ne peux plus, en fait. Là, moi, ça a été ça. Ça a été vraiment, à un moment donné, en fait, même si j'étais arrivée à un point où même prier, c'était dur, en fait. C'était dur, mais je me disais, en fait, Dieu entend chacun de mes soupirs, chacun de mes pleurs. Et en fait, il y a des fois où j'avais pas la force de prier, mais je me mettais dans une atmosphère de louange et d'adoration, et je me mettais à ses pieds et je pleurais. Même si j'avais pas les mots, mais je me disais, en fait, il va me consoler. Seigneur, fais. Seigneur, agis. Seigneur, je n'ai plus de force. J'ai plus rien. Et tu dis dans ta parole, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu renouvelles nos forces. Et tu dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et en fait, c'est sur ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu aies aussi l'humilité de venir auprès de Dieu tel que tu es. Et d'admettre que ça va pas, et d'admettre que tu as besoin de son aide, et d'admettre qu'il y a que lui qui puisse faire quelque chose pour toi. Tu vois, et ça, je pense qu'il y a encore trop de personnes qui se pensent
tellement forte et tellement... Je peux y arriver par moi-même, mais non, il y a des fois où tu ne peux pas y arriver par toi-même. Moi, j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus par moi-même. Parce que, effectivement, humainement parlant, tous les chocs que j'avais subis, c'était trop. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si ce n'était que moi, je pense que j'aurais déjà été en dépression ou quelque chose comme ça. Mais Dieu a fait grâce. Je n'ai même pas, j'ai pas été en dépression. Dieu a vraiment fait grâce, en fait, parce que, et c'est là que je vois, j'ai tellement vu sa main. Et tu sais, il y avait une chose dont j'avais vraiment peur, c'était quand j'ai perdu mon papa, j'étais la fille à papa, moi. J'étais très fille à papa. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire sans mon papa? Comment je vais faire? Parce que mon papa, j'étais très proche, je me confiais beaucoup à lui. C'est quelqu'un qui m'encourageait beaucoup, beaucoup. Et je me disais, waouh. Et tu sais, c'est à travers cette épreuve que j'ai vraiment expérimenté la dimension du Père. Amen. Tu vois? Et parce que, en fait, on oublie aussi que Dieu est multicasquette, en fait. Tantôt, tu vas plus solliciter le Saint-Esprit. Tantôt, tu vas plus solliciter le Père. Tantôt, tu vas plus... Et en fait, là, j'avais pas encore expérimenté cette dimension de Père, tu vois, vraiment, vraiment le dire que je savais qu'effectivement, Dieu a cette casquette-là, mais je l'avais pas expérimenté. Et c'est vraiment là, quand je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis dit, je pleurais, je disais, Seigneur, je suis orpheline, j'ai plus mon Père. Et il m'a dit, mais je suis là. Tu vois, et c'est vraiment à ce moment quand tu vraiment là, je suis même dans l'émotion quand je parle de ça, parce que vraiment, je souhaite vraiment à tout le monde qui vit une situation où vraiment vous vous sentez tellement seul, esselé, et qu'il n'y a plus personne. Là encore, allez au pied du Père, vous allez voir à quel point Dieu vous répond, Dieu vous enveloppe de son amour. Mais encore une fois, il faut avoir l'humilité d'aller auprès de lui et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crie à toi, j'ai besoin de toi, parce que si ce n'est pas toi, j'y arriverai pas par moi-même. Et moi, ça a été ça. Je lui dis, Seigneur, tu vois comment la perte de mon père, là, c'est trop. C'était la goutte d'eau, en fait. C'était la goutte d'eau dans mon vase. Et je me suis dit, Seigneur, si c'est pas toi, là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut que tu sois à mes côtés. J'ai envie de sentir que tu es là. J'ai envie de sentir que tu m'aimes. J'ai envie de sentir que je veux que tu combles. Je ne veux subir aucune carence dans l'amour d'un père, en fait. Vraiment, je ne veux pas ressentir cette chose-là. Et tu sais, parallèlement, c'est quelque chose sur lequel je priais beaucoup aussi pour ma fille, dans le sens où quand on s'est séparé avec son papa, elle n'avait plus son papa au quotidien. Finalement, tu vois ton papa un week-end sur deux, moitié des vacances. Et je voulais tellement pas qu'elle vive un déséquilibre et où me dire... c'était tellement pas le schéma que je m'étais fait dans ma tête. Je me suis dit, Seigneur, imagine, elle souffre de la... Enfin, tu vois, c'est pas de l'absence parce que son papa est très présent et je rends grâce pour ça. Mais au quotidien, c'est pas pareil. Et finalement, j'ai tellement prié le Seigneur pour ça. Je lui ai dit, Seigneur... Vraiment, fais en sorte qu'Anaëlle n'ait jamais aucune carence en termes vraiment d'amour, qu'elle ressente toujours ce que son papa ne peut pas lui apporter au quotidien parce qu'il n'est pas là physiquement. Seigneur, comble. Amen. Vraiment, Seigneur, comble. C'est beau. Mais c'est vrai, hein, c'est... En fait, ce témoignage, c'est comme un prisme avec plusieurs facettes qui luisent. Donc, il y a la fille de Dieu qui découvre son identité, qui développe son intimité avec le Seigneur. Il y a en même temps la femme, c'est-à-dire la femme qui aime un homme, bien que ce soit terminé par une séparation, c'est pas grave. Il y a donc cette facette-là, la femme qui aime, qui soutient, autant physiquement, mais aussi dans l'esprit. Il y a aussi la maman, et puis il y a la fille d'un père qui... Voilà, le témoignage, il arrive à arroser en fait plusieurs domaines de ta vie, alors que ça part d'abord d'une situation. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis, Dieu a tellement fait pour moi. Et en fait, quand tu te rends compte que Dieu fait tellement pour toi, tu te dis, tu vois, il y a beau avoir des situations effectivement qui sont malheureuses ou quoi que ce soit, mais à côté de ça, les bontés de Dieu sont tellement... En fait, elles se renouvellent. Quand on te dit, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin, c'est réel, en fait. Et comme tu dis, j'ai tellement expérimenté au travers ce témoignage-là, j'ai tellement expérimenté Dieu
mais sous différents prismes, comme tu dis, différentes casquettes. Et c'est pour ça que je vous dis, mais vraiment, mettez Dieu au défi. Et du mettez coup, ça Dieu permet de toucher un large éventail de personnes, alors finalement, parce que tu expérimentes ça dans différents domaines de ta vie. Yes. Et du coup, différentes personnes vont être touchées au travers des différents domaines de ta vie. Mmh. Et j'aimerais justement que pour l'occasion, on rebondisse sur Testimony. Yes. Qui est aussi un projet qui te vient du Seigneur. Amen, oui. Et j'aime beaucoup ton projet parce que du coup, ça concorde aussi avec celui des Boss Ladies. Yes. Voilà, qui est celui d'édifier les femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors... Effectivement, Testimony, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur ce projet, c'était vraiment de rassembler donc plusieurs femmes chrétiennes qui créent du contenu et pour aviser, donc d'édifier, d'aider, d'encourager et vraiment une sororité en gros. C'était vraiment ça. Moi, j'arrivais dans la foi et je me rendais compte que... Je connaissais pas tant de choses que ça, en fait. Je connaissais pas tant de choses que ça. Mais je me rendais compte que ces moments de communion fraternelle me faisaient énormément de bien. Et je me suis dit, mais si je suis dans cette situation, il doit y avoir tellement d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi. Et je me suis dit, c'est plus le Seigneur qui m'a dit, voilà, il faut que tu puisses créer une plateforme où les femmes pourraient venir être édifiées, pourraient venir te demander conseil, même si, voilà, toi, tu penses ne pas être équipée, mais moi, je t'équipe. Regarde, ce que je t'ai fait vivre, ce n'est pas pour rien. En fait, c'est à travers ton témoignage que tu pourras aider d'autres personnes. Et c'est comme ça, en fait, que ça m'a connectée à d'autres sœurs, etc., qui, aujourd'hui, sont devenues vraiment, voilà, mes amies, ma famille. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que on se rend pas compte. C'est aussi une charge. Je pense que vous le savez. Hein, c'est voilà tous les jours avoir voilà des sœurs qui te lisent. Ce sont des âmes qui vont te. On fait pas n'importe quoi avec les âmes. Franchement, si c'est pas Dieu qui vous a mandaté pour ça, les gars, n'y allez pas, s'il vous plaît. N'y allez pas parce que vraiment, il y a des fois où je me rendais pas compte, mais au tout début, voilà, je me suis dit, oh, le Seigneur, il me dit juste de faire ça. Et je me suis rendu compte, en fait, sur la charge sur les épaules que c'est, ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, si ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé là-bas, là, restez où vous êtes pour le moment. De toute façon, si ce n'est pas Dieu et qu'on met quand même ça, ça va échouer. Ça va échouer. À un moment donné, ça se casse un peu, ça se casse le visage. Exactement. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, Testimony, c'était vraiment de se dire, j'appartiens à une sororité, je peux me confier à ces sœurs-là qui sont là dans une safe place. En fait, on est là, on peut discuter entre nous, on fait des lives pour discuter et on crée du contenu pour aider ces sœurs qui passent sur notre page, tout simplement. C'est parfait, ça. Et je voudrais savoir, quand est-ce que tu as senti qu'émotionnellement, tu étais déchargée de ton témoignage pour pleinement être capable d'écouter les défis de ces femmes, justement, qui consultent ta plateforme et qui, elles aussi, échangent sur le bagage qu'elles ont. Quand est-ce qu'a été ce déclic-là de te dire, j'ai commencé, j'étais pas prête, mais aujourd'hui, je sens que ce n'est pas une charge en plus par rapport à mon passé. Moi, ce qui a été, ce qu'il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est que le Seigneur m'a dit "Let's go pour Testimony" une semaine après l'enterrement de mon père. Donc, j'étais même pas encore restaurée du tout. J'étais pas restaurée du tout, et c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre. Mais Seigneur, pourquoi maintenant? Je suis pas. C'est pas maintenant. Mais en fait, le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait vraiment un but dans tout ça, parce qu'il savait que j'allais aussi trouver ma consolation et ma restauration de par aussi les témoignages que je recevais. Parce que nous, les femmes aussi, sur Testimony, témoignent. Et en fait, c'est vraiment dans ça, c'est vraiment comme ça que j'ai pu être restaurée par rapport aussi aux sœurs qui m'entouraient, mais par rapport aussi aux témoignages que je recevais. Et j'étais édifiée, en fait. J'étais édifiée, j'étais encouragée de par des personnes qui avaient vécu soit des situations similaires, soit pires, soit moins pires. Mais bon, ça reste toujours des situations très, très, très émotionnellement quand même très chargées. Et donc du coup, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et au final, je ne me suis même pas rendu compte à quel moment le shift s'est fait. J'ai juste su que j'étais à ma place et que je faisais la volonté de Dieu. Et moi, ça me satisfaisait comme ça. Et comme je te dis, je savais que j'étais pas restaurée tout de suite parce que sinon j'aurais écrit le livre tout de suite, tu vois. Mais ça, il m'a fallu quand même passer un an pour bien
être en capacité, en tout cas, de prendre la parole sur ça, écrire sur ça, me mettre à nu, être vulnérable. Et ça, c'est un autre travail, encore une fois. Parce qu'on peut être restauré, mais la vulnérabilité, c'est encore autre chose, quoi. Donc, finalement, le Seigneur utilise testimonie pour te restaurer, quoi. Exactement. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis restaurée par la grâce de Dieu. Je te dirais pas que... en tout cas, l'affaire de ma séparation, totalement, c'est, voilà, on est de bons parents pour nos enfants, pour notre enfant, et c'est très bien. Après mon papa, je peux très bien l'évoquer, je peux très bien, voilà, mais j'aurais toujours, je pense, ce petit pincement au cœur parce que ça reste mon papa. Bien sûr. Ça reste mon papa, donc forcément, voilà. Mais je suis tellement reconnaissante parce qu'en plus, j'ai vu encore la main de Dieu dans tout ça parce que mon papa, comme je vous ai dit, était catholique. Mais lorsqu'il s'est retrouvé à l'hôpital, avant qu'il soit placé... en coma artificiel, il a donné sa vie à Jésus. Donc en fait, ça m'a totalement. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui je puisse être dans cette assurance et puis dans la paix de me dire ça va. En fait, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi de faire mon deuil si je n'étais pas dans ce cas de figure où mon papa avait donné sa vie à Jésus, etc. Il avait pris pleinement conscience, etc. Là, ça aurait été plus compliqué pour moi. Et est-ce que tu penses que ce que tu as vécu t'a donné la capacité, pas d'anticiper, mais aujourd'hui, de vivre les coups durs de la vie différemment ? Ouais, totalement. Totalement, parce que avant, lorsque quelque chose m'arrivait, c'était une avalanche pour moi et je ne savais pas comment l'appréhender. C'est bête, hein, mais c'est vrai que quand une chose t'arrive, même si tu n'y es pas préparé, mais que tout de suite, tu as les clés en main pour pouvoir la gérer, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Avant, je n'avais pas ce réflexe de me dire il va m'arriver ça, bon, ok. Tu sais, même l'entourage, mon entourage a tellement changé. Autant, oui, il y a des personnes, des amis qui sont là depuis longtemps, qui restent, je les aime, etc. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, j'ai un entourage où vraiment, Dieu a tellement refait mon entourage, restructuré autour de moi. Je sais que j'ai des, comme on dit, des garde-fous, c'est-à-dire des sœurs qui sont là, des sœurs et des frères qui sont là pour prier pour toi lorsque justement tu te retrouves dans des cas de figure où c'est compliqué. Tu dois pouvoir avoir des gens quand toi-même tu es dans l'incapacité. Des hurles pour toi. Vraiment. Tu vois qu'ils sont dans la capacité de pouvoir prier pour toi. Aujourd'hui, il m'arrive quelque chose tout de suite. Bon. Action-réaction. Là, on y va, les gars. On y va. Et tout de suite, on sait comment réagir face à l'ennemi, en fait. Et on est beaucoup moins vulnérable. Donc, des choses qui auraient pu prendre des dimensions tout de suite un peu plus énormes, finalement, sont minimisées par la force de la prière, par la force de tes bonnes fréquentations qui sont autour de toi, qui entrent en prière avec toi, amen, qui jeûnent avec toi. Et là, c'est différent. Et franchement, je souhaite à quiconque, vraiment, à qui nous regarde, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et qu'après ça, tu donnes ta vie à Jésus, je te jure, tu vas voir comment Dieu restructure les choses. Amen. Et quand tu as cet entourage de qualité, pour moi, tu as tout gagné. Tu peux traverser vraiment, même si tu passeras par des moments où ça ne sera pas évident, tu sais que tu es toujours entouré de ces personnes qui sont dans la même direction que toi. C'est trop important. Amen. C'est une belle conclusion. Ah oui. Mais oui, parce que voilà, le temps passe. On ne voit jamais le temps passer dans cette émission. C'est incroyable. Moi, je suis navrée. Je sais que... Tu es navrée. Je suis navrée. Faut que je revienne. Mais bien sûr, oui. Tu vas revenir. Je pensais que c'était peut-être une option. D'accord. Mais bien sûr que tu vas revenir. Bon, bien génial. Sûr que tu vas revenir. Et d'ailleurs, je pense que tu as des choses à nous présenter. Et quand tu reviendras, on reparlera. Génial. Okay. Donc effectivement, mon livre en abattement. Ouais. Avec les sœurs de testimonie, donc on a créé deux books. Donc merci. Deux books qui est justement un outil introspectif qui aide les nouvellement en Christ, toutes les questions qu'on peut se poser, mais même en étant chrétienne déjà depuis un moment, mais concernant l'amour, l'amitié, la foi, la parentalité, mais tout ça sous le prisme vraiment de femmes chrétiennes, voilà. On n'en parle pas juste comme ça et il y a des petits exercices, des petites choses qui vous permettent de travailler sur vous.
Et il y a aussi donc, le bullet journal. Ça, c'est, tout, c'est différent. Là, c'est un agenda, tout simplement. Un agenda chrétien avec des versets, avec tout ça. Voilà, un agenda chrétien qui a été fait pour vous, créé par nous, sympa, pour vous. Yes. Donc, voilà. Okay. C'est génial. Et puis, en plus, elle est prof. Comment ne pas être conquis ? On sait qu'il y a toute la pédagogie qui va avec. Hein, on essaye. Ah bah oui. Et du coup, on peut les trouver sur Amazon, c'est ça ? On peut les trouver sur Amazon. Vous tapez Elisa Rébus et il n'y a pas de souci, vous trouverez. Bah super, merci beaucoup. Et en tout cas, ce que je note de ton témoignage, de tout... vous n'avez pas encore lu le livre, donc je vais vous laisser le découvrir. Mais en tout cas, ce qui frappe vraiment, c'est ton obéissance et ta soumission à Dieu. Sans ça, c'est compliqué de marcher avec le Seigneur. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ok, on met Dieu au défi, mais il faut être prêt aussi. Il faut être prêt. Et c'est vraiment exactement ton ça. Ton obéissance et ta soumission, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Ta résilience m'a beaucoup marqué. Résilience, les gars. Vraiment, résilience. Je crois que vous ne lirez plus ce mot comme d'habitude, surtout après avoir lu son livre. Ça aura une autre signification. En tout cas, moi, ça a été le cas pour moi. Et c'est un livre qui, même moi, qui suis déjà chrétienne, ça m'a vraiment édifiée. Eh ben, je rends grâce à Dieu parce vraiment, que c'est... Gloire à Dieu pour c'est le canal. Livre de... Ben voilà, gloire c'est à Dieu pour livre. Le canal que tu es. Amen. Que ce soit pour moi, pour Daphné c'est et sûr. Pour toutes les personnes qui nous regardent, que vous soyez une femme ou que vous soyez Amen. Un homme. Et est-ce que je peux te demander de prier pour ces femmes, justement, qui ont peut-être traversé cette situation ou qui sont en plein dans cette situation? Est-ce que je peux un peu nommer la situation? Yes, bien sûr. Voilà, par exemple, vous êtes avec un conjoint, vous voulez vous marier et... ou alors, voilà, vous cherchez le Seigneur. Ça va ? Yes. OK. Alors, je voulais déjà vous remercier, en tout cas, les filles, de m'avoir invitée. Et effectivement, on va prier pour vous, les filles, qui êtes connectées en ce moment. Alors, je prie vraiment que Dieu vous localise et que Dieu vous mette vraiment sa volonté à cœur, vraiment, afin que vous puissiez la suivre, c'est-à-dire ne pas suivre la volonté que vous avez pour votre vie, mais la volonté que le Seigneur, lui, a pour votre vie. C'est-à-dire que peut-être en ce moment que tu es dans une situation compliquée, peut-être tu ne sais pas si tu dois rester dans cette relation ou non. Peut-être que tu as pris cette décision, toi, d'être en couple, comme moi je l'avais fait, d'être en couple par toi-même, mais sans l'accord de Dieu. Alors vraiment, aujourd'hui, je prie que tu puisses revenir vraiment à la volonté de Dieu. Que tu puisses revenir à la volonté de Dieu et que tu puisses vraiment voir... être disposé à la voix de Dieu pour vraiment faire sa volonté, afin que tu ne rentres pas dans un mauvais mariage, afin que tu ne rentres pas dans une mauvaise relation. Aujourd'hui, décide de prendre cette décision, de sortir ou non de cette relation, afin de faire la volonté de Dieu. Amen. C'est sa volonté avant la nôtre. Et tu verras que ses plans sont totalement parfaits. Je prie également pour une personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Il est encore temps, il n'est jamais trop tard et tu n'es pas illégitime pour venir au pied du Père. Aujourd'hui, je te parle à toi. Toi qui vis peut-être une situation où tu te sens peut-être pas légitime parce que les actes que tu as posés sont peut-être éloignés de Dieu. Ou peut-être parce qu'on t'a dit que tu étais peut-être trop ou pas assez. Aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie afin que tu puisses revenir au pied du Père. Parce qu'il t'aime. Il t'aime, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu reviennes à lui. Alors viens aujourd'hui à ses pieds, tu lui dis, Seigneur Papa, je te demande pardon. Pardon pour toutes ces choses qui n'étaient pas de toi. Pardon pour toutes ces fois où je ne t'ai pas écouté. Mais aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux faire cette alliance avec toi. Je veux marcher avec toi. Que chacun de mes pas soit fait avec toi, Seigneur. Et je ne veux plus jamais prendre des décisions par moi-même. Je veux que tout ce qui se fera dans ma vie se fasse à tes côtés. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Elisa. Que Dieu te merci bénisse. Merci à vous, les filles. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Daphné. De rien. Vous avez entendu son français, non? Je vous avais dit, c'est du lourd. N'importe quoi. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore, Pasteur Grasse. Tu nous as manqué ce soir. Tes interventions m'ont beaucoup manqué, en tout cas. Mais encore merci pour l'honneur et le privilège. Merci, Apôtre. Merci, Pasteur Paulette. Merci, Sabrina. Merci, l'équipe. Merci à Zouzou qui nous a parfaitement maquillés aussi. Merci à Marisa.
Merci à JP, merci à David, merci à tout le monde. Et encore merci à vous, chers internautes. Et n'oubliez pas de soutenir l'émission Les Boss Ladies, de soutenir Évangile TV, qui les bénit chaque jour avec exactement, des programmes extraordinaires. Évangile TV qui vous bénit tous les jours. Il y a des lives tous les midis, même le soir. Il y a aussi des émissions, comme les Boss Ladies. Donc chaque jour, vous avez l'opportunité de connaître le Seigneur, de vous rapprocher de lui par le contenu que la chaîne en fait vous propose gratuitement. Alors merci pour vos dons, merci pour votre soutien. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bonne soirée et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.